et appliquer mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chakras. Celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion énorme. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. J'avais essayé de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, Mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. Faut le faire! Calmez-vous, Mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite! Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé, vous m'avez attaché à cette chose. Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, Monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Vous voilà raisonnable. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique? Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres. C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire, les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'Animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'Animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'Animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Maintenant, utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Bien joué. L'Animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Bien. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Bien joué. L'Animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche « Main armée » pour l'assassiner. qui a osé faire ça, je veux le savoir. Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Votre icône de statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. François, t'as aucune chance! Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Tu as raison. Surtout, reste bien caché. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente, et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour tu seras un maître, Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie des frères. C'est celle que j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. C'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Massiaf pour chasser ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion, Altaïr. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué deux des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un troisième. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Arrêtez, Templier. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non, arrête! Tu ne sais pas à qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à son maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Aux armes, soldats! Tuez les assassins! Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Altaïr, tu es de retour? Ah ouf. Content de te voir sain et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour? Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Qu'est-ce qu'il a? Il va finir par bousculer quelqu'un. Il va bousculer quelqu'un. Vous trouvez que ce sont des manières? Pas moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu la tête ou quoi? Je me demande ce qu'il prépare. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il a à fuir comme ça? Vous croyez qu'il est poursuivi par... Ah, il nous revient enfin. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. C'est un honneur. Le maître t'attend à l'intérieur. Altaïr. Maître. Avance. Fais-moi le récit de ta mission. Le trésor des Templiers est-il enfin... Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor? Je ne l'ai pas. Et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui. Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. Je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. Tu en as déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Morts. Non! Pas tout à fait. Malik, je suis toujours en vie. Et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde! Nous aurions pu éviter ça, et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez, prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Merde! Nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Massiaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Avance rapide vers une séquence plus